La chasse à l'isard, animal noble de la haute montagne, ne se conçoit pas sans un effort long et prolongé. Ces heures de marche sont le résultat d'un long entraînement annuel. C'est durant ces heures d'effort que l'on peut apprécier l'osmose et la symbiose avec la nature. Petite halte pour aller voir si mon ami le berger est dans les parages. Il vit ici 8 mois par an, seul, tranquille, dans l'isolation et la relaxation. Le but intermédiaire, c'est le col Minja. Il est entre 18 et 1900 mètres d'altitude. Donc, il nous reste encore à parcourir toute cette traversée pour passer le col et redescendre sur le refuge et la vallée de la Carenza. On peut compter encore de bonnes heures et demie de marche. Avec un sac de 17 kg, on apprécie, c'est ça la chasse à l'isard, sinon ça ne se mérite pas.
Le soleil est en train de se coucher à l'horizon. Cela fait déjà 2 heures que nous marchons et nous arrivons enfin au fameux passage du col Minja. Restera encore toute la descente sur la vallée de la Carranza. Mais là déjà, le plus dur, il est fait. Nous arrivons pas loin du refuge. Il faudra pas traîner, sinon la nuit va me prendre. Vaste territoire qu'il me restera à découvrir demain, si la météo est bonne et que les jambes tiennent le coup. Me voici donc arrivé au refuge de la Carranza. Ça y est, après 3 heures de marche, le refuge nous accueille, toujours ouvert, toute l'année, avec en plus une bonne réserve de bois, ce qui permettra de se faire un joli petit déflambé dans la cheminée et passer une excellente soirée. Le jour se lève sur la Carranza. Mais le vin également. L'ancien refuge a fait place à un refuge moderne et gardé à la haute saison.
Aujourd'hui, on avait prévu d'aller faire le lac de la Carança, mais malheureusement, il est couvert de neige. Hier, j'ai chassé dans cette vallée. Aujourd'hui, c'est plein de neige. Troisième jour de chasse. C'est vrai que la météo n'est pas favorable avec moi. L'arc, il est toujours au chaud dans le chalet. Je commence à choper la crève, mais bon, c'est comme ça, la chasse en montagne, il faut s'y adapter. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire journée farniente au coin de la cheminée et laisser passer ce mauvais temps. La tempête a soufflé toute la nuit. Je vois qu'il a encore neigé un peu vers le haut. La nuit est terminée. Heureusement qu'on a un bon local avec des lits confortables pour dormir parce que cette nuit dehors, il a dû faire froid. Ça n'empêche pas de s'allumer. Mais bon, les duvets sont là pour tenir chaud. Et puis j'étais quand même équipé. Donc voilà, ça fait le quatrième jour que je suis dans la vallée de la Carança. Et l'automne s'installe de plus en plus profondément. La neige est là pour nous rappeler que le mois de novembre n'est pas loin. Un petit déjeuner et on va y aller. Nous arrivons à une cabane faite de mains d'hommes. Dans cette cabane, une famille a vécu 2 ans, il y a une dizaine d'années, en autonomie totale, en vivant seulement de cueillettes, de chasse et de pêche. C'est un peu le rêve de Nicolas Vanier. En automne sauvage avec les grizzlies à Moins. Vous voyez, il reste encore du bois, les murs sont faits en rondelles, le sol, l'escalier, les chambres à l'étage, tout en traditionnel. Une table à manger en massif. Voilà, de quoi vivre heureux.
fait, elle a été tirée trois quarts arrière sur le dessus. Elle a pas, je lui ai brisé la colonne vertébrale et elle est allée se loger dans le cœur et les poumons. C'est pour ça que l'animal il n'est pas allé bien loin, puisqu'il avait le train arrière de paralysé. C'est un beau mâle de 7-8 ans. Cinquième isard prélevé à l'arc. On peut voir les dégâts de la 4 lames. Le mauvais temps n'est certes pas agréable, mais c'est vrai qu'il a facilité la poche et couvrir les bruits pour approcher cet isard. Voilà. Maintenant, comme dirait mon copain, c'est maintenant que les emmerdes commencent, parce qu'il va falloir baguer, vider et rentrer à la maison. Et nous avons en gros 6 heures de marche avec un isard qu'il faudra faire dans les 25 kg vidés dans le sac à dos. C'est ça la chasse d'isard.